Bonsoir mon pays, merci de nous rejoindre sur Facebook ou devant votre écran. Voici les titres de la rédaction. Le pays est en préalerte depuis 16 heures. Le cyclone Jita se trouvait alors à 800 km à l'est de Nouméa, avec des rafales à 230 km/h. Selon Météo France, le cyclone pourrait se situer à 200 km au sud-est de Maré demain après-midi en s'affaiblissant. Les apprentis militaires pourront désormais se former au métier de la mine. La nouvelle filière a été lancée aujourd'hui. Pour en parler, le général Thierry de la Doucette, c'est l'interview du jour. Et enfin, 7000 Calédoniens d'origine vietnamienne et chinoise fêteront le nouvel an demain. 2018, c'est l'année du chien. Que nous réserve cet animal? Réponse dans ce journal. Je vous le disais en titre, le pays est en préalerte depuis 16 heures. Le cyclone Jita se trouvait alors à 800 km à l'est de Nouméa, avec des rafales de 230 km/h. Selon Météo France, le cyclone pourrait se situer à 200 km au sud-est de Maré vendredi après-midi. En s'affaiblissant, dès cette nuit, la houle devrait atteindre 4 mètres sur l'île des Pins. Les vents les plus forts sont attendus vendredi soir, avec des rafales proches de 120 km/h sur l'île des Pins et 100 km/h sur Maré et l'extrême sud. De fortes pluies sont également attendues, donc prudence. Conséquence, les travaux de la nouvelle école de Païtar sont retardés, donc la rentrée est repoussée au 26 février. Les autres écoles du Sud ne sont pas impactées. Dans les airs, pareil chez Air Calédonie, il annonce que l'organisation des vols sera perturbée pour faciliter les déplacements de la rentrée des classes. La compagnie demande aux clients d'avancer ou de reporter leurs déplacements. Les reports de vol se feront sans pénalité. Autre conséquence, Air Loyauté annulera ses rotations inter-îles demain entre Tiga-Lifou, Marie-Lifou et enfin Ouvéa-Lifou. Et au sud, la réserve du Cap Indoua, la Necha, les chutes de la Madeleine, les bois du sud et le parc provincial de la Rivière Bleue sont fermés à compter de demain jusqu'à nouvel ordre. Et pour les mêmes raisons, les boucles de Tina sont également fermées au public. Alors, nous nous sommes demandé, en cas de cyclone, à quel moment le salarié doit quitter son travail? Quelles sont les obligations des entreprises? Voici ce que dit la loi, les précisions d'Aurélie Niaoutine. Les intempéries constituent ce que l'on appelle un cas de force majeure. Il s'agit d'événements présentant un caractère extérieur, imprévisible, inévitable et insurmontable. Pour le salarié, c'est une absence involontaire et ne peut être considérée comme fautive s'il se trouve dans l'incapacité de se rendre au travail. L'employeur ne peut donc prendre aucune sanction à l'égard de son salarié. Pour l'employeur, sauf disposition conventionnelle contraire, l'employeur n'est pas obligé de rémunérer les heures d'absence du salarié faute de travail effectif. Pour éviter une perte de salaire, il peut proposer au salarié d'imputer cette absence sur les congés payés ou de récupérer les heures d'absence. En cas d'intempérie, le salarié peut refuser un déplacement professionnel. Cela s'appelle le droit de retrait. Selon l'article LP 261-22 du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur qui se retire d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. En bref, politique, Manuel Valls, président de la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie et ancien Premier ministre, donc il arrive au pays ce lundi. Autre sujet d'actualité, nouvelle filière au métier de la mine au régiment du service militaire adapté de Koné. Pour lancer cette formation avec les partenaires concernés, le grand patron du RSMA, le général Thierry de la Doucette, a visité l'antenne de Koné ce matin. Avant de l'écouter, je vous propose de faire le point sur cette nouvelle offre avec Vanessa Kelly. Parmi les 18 formations existantes au sein du RSMA, dont 11 sur le plateau technique de Koumak et 7 à Koné,
Une nouvelle filière de formation pour deux métiers concernant le domaine de la mine va voir le jour. À savoir que le RSMA propose déjà une filière dans le secteur, mais elle concerne seulement le roulage. Il s'agit d'une part d'une formation OTEM, opérateur tambour dans une exploitation minière. D'autre part, la formation OCBEM, opérateur sur chargeuse et bouteur dans une exploitation minière. En gros, les jeunes devront maîtriser la conduite en sécurité des principaux engins utilisés au sein d'une exploitation minière. À l'issue de ces formations, les candidats obtiendront le diplôme OTEM et OCBEM de titre 5, niveau CAP, qui leur permettra d'intégrer un emploi durable au sein des centres miniers. 24 stagiaires par an pourront intégrer ce dispositif de formation. Au RSMA, 475 jeunes de tout le pays sont recrutés annuellement. Formation et réinsertion sont les maîtres mots du RSMA. Un élan qui va se poursuivre. Écoutons le général Thierry de la Doucette. Il est au micro d'Océane Zobler. C'est l'interview du jour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes arrivé en Nouvelle-Calédonie lundi. Vous avez pu faire le tour déjà ? J'ai fait le tour du régiment. Du coup, en fait, je suis parti à Koumac dès mardi, où j'ai passé donc 48 heures au sein du régiment de Koumac. C'était la première fois que j'y allais, donc j'ai besoin d'aller voir sur place, sur le terrain, comment est-ce que le régiment vit sa mission au quotidien. Alors, vous faites le tour, vous adaptez certainement des formations aussi pour les jeunes. Il y a d'ailleurs une convention qui vient d'être signée pour une filière mine. Alors, de quoi il s'agit exactement et pourquoi la mine ? Alors, pourquoi la mine ? Parce que la Nouvelle-Calédonie, le métier de la mine, le nickel, c'est une réalité qu'on connaît bien et que dans lequel nous devons être présents. C'est tout à fait logique. Et pourquoi pas le tourisme ? On le fera aussi, on a des réflexions en cours dans ce domaine-là. Mais là, pour le parcours de la mine, on veut pouvoir identifier des jeunes en liaison avec les entreprises qui les emploieront à l'issue, pouvoir les recruter au sein du SMA, leur faire une formation commune au sein de notre structure, qui les préparera ensuite à les poursuivre cette formation métier, j'ai envie de dire, opérateur tombeau, au sein d'un centre de formation adapté à Poro, dans lequel ils acquerront les savoir-faire propres à ce métier-là, qui pourra durer entre 4 mois et 8 mois en fonction des diplômes qu'on leur fera passer, et avec la garantie qu'à l'issue, les entreprises avec lesquelles on travaille récupéreront ces jeunes et les emploieront en emploi à durée indéterminée au sein de leur entreprise. Et c'est donc bien ce parcours sécurisé que nous faisons à plusieurs, entre le SMA, les entreprises, le centre de formation, et qui nous garantit que les jeunes qui iront jusqu'au bout de leur formation pourront travailler dans ce domaine-là. Les ministres de tutelle ont fait plusieurs déclarations. Édouard Philippe, par exemple, avait annoncé en décembre dernier l'accueil de 80 volontaires supplémentaires au SMA de Nouvelle-Calédonie. Où ça en est aujourd'hui et concrètement, quand ça pourra se faire ? Alors, le Premier ministre a annoncé au mois de décembre, lorsqu'il est venu en Nouvelle-Calédonie, effectivement, la création d'une nouvelle unité en Nouvelle-Calédonie au sein du RSMA, qui doit pouvoir accueillir 80 volontaires dans des filières nouvelles. Il y a déjà des idées pour les filières ? Alors, il y a des réflexions en cours. Vous avez évoqué tout à l'heure la filière du tourisme. Donc forcément, dans ce domaine-là, il y a une réflexion qui est conduite. Mais il faut qu'on soit en phase avec les projets de développement touristique de l'île, parce que ça ne sert à rien de former tout de suite des jeunes si on n'arrive pas à les insérer. Alors plus récemment aussi, la semaine dernière, Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer, a fait une déclaration concernant le plan SMA 2025 et a évoqué la possibilité d'échange entre les différents régiments d'outre-mer. En quoi ce serait intéressant pour les jeunes du pays ? Dans d'autres départements d'outre-mer, on fait les choses différemment, on est confronté à une culture qui est différente et donc ça leur permettra d'évoluer et si ça se trouve, ça leur donnera d'autres envies d'aller faire peut-être ailleurs pendant quelque temps quelque chose et puis de revenir. Concrètement aujourd'hui, ça va être mis en place ? On va commencer dès 2018, oui. Alors il va falloir trouver des jeunes qui soient volontaires pour ça parce que ça veut dire qu'il va y avoir un déracinement pendant quelques mois. Voilà, ça sera sur volontariat. Au début, ça va être échantillonnaire, mais on va regarder si jamais ça correspond à une attente des jeunes. Et puis, éventuellement, après, de se dire, bon, bah, peut-être, pourquoi pas faire la totalité de la formation ailleurs. C'est un peu l'idée qui a prévalu, auquel la ministre est très attachée. D'ailleurs, la ministre est attachée aussi au renforcement de l'accompagnement médical, psychologique et social des jeunes.
Comment ça pourra vraiment se faire, mais, et sous quelle forme? Alors, comment il pourra être accompagné? Dans le domaine de la santé, c'est relativement complet, mais sur l'accompagnement social et l'accompagnement psychologique, en fait, c'est difficile. Ça, parce qu'on manque de compétences, donc il va falloir identifier les partenaires avec lesquels on va pouvoir travailler dans ce domaine-là. Éventuellement, on a envisagé même d'aller jusqu'au recrutement de spécialistes, de psychologues, par exemple, au sein de nos structures, et de manière à pouvoir mettre à disposition de tous les jeunes qui en auraient besoin un accompagnement dans ce domaine-là. Bah, merci, voilà. En tout cas. C'était un vrai plaisir. Et puis bon séjour en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup. Alors il y a des réflexions en cours, vous avez évoqué tout à l'heure la filière du tourisme, donc forcément dans ce domaine-là, il y a quelques... Justice, procès demain au tribunal correctionnel de cinq jeunes de Saint-Louis. Ils sont âgés de 19 à 33 ans. Ils seront jugés pour des faits remontant à 2 ans. Voiture brûlée, tir de chevrotine sur les gendarmes et jet de pierre. Des actes qui ont causé la fermeture de la RP1. Retour sur les faits avec Vanessa Kédé. Le samedi 29 octobre 2016 au matin, les habitants de la tribu de Saint-Louis apprennent le décès de William Décoiré. Dans l'après-midi, deux voitures et des tas de pneus sont brûlés sur la route provinciale. Un acte causé par quelques jeunes de la tribu. Par sécurité pour les usagers du Grand Sud, les forces de l'ordre bloquent la circulation au niveau de la tribu de Saint-Louis. Le lendemain matin, en voulant dégager les axes routiers, les gendarmes sont reçus par des tirs de chevrotine, d'armes à plomb et de jets de pierre. 6 d'entre eux sont blessés, dont 5 par balle. Au troisième jour de blocage, quelques jeunes de la tribu décident de rencontrer le maire de la commune, Éric Gay. Après 1 heure de discussion, un accord est trouvé. On a mis les conditions sur la table pour que tout se passe bien. Et à 9h30, on déblaye tout. Se retire de la route, ils laissent les engins travailler et déblayer la route et ils ont donné leur parole qu'il n'y aurait pas de problème une fois que la route serait ouverte. 16h45, la circulation est rouverte. Suite à ces perturbations sur la RP1, 5 suspects âgés de 19 à 33 ans seront jugés pour ces faits. Parlons festivités cette fois-ci. La Nouvelle-Calédonie va faire partie des premiers pays à célébrer le Nouvel An chinois. Au pays, ce sont presque 7000 Calédoniens d'origine vietnamienne et chinoise qui commencent à fêter l'année du chien. Duke Menango a cherché à en savoir plus. Le Nouvel An chinois marque la fin de la période hivernale et le retour des jours meilleurs. C'est l'horoscope chinois qui conduit les coutumes liées à cet événement. L'horoscope chinois, il y a 12 animaux qui se sont présentés donc devant Bouddha et puis donc par ordre. Et donc tous les 12 ans, l'animal revient. Donc cette année, c'est le chien. Et ensuite, tous les 60 ans, l'animal est rattaché à un élément. Cette année, c'est donc les vertus du chien de terre qui sont à l'honneur. Dans les années du symbole du chien, normalement, ce sont des années où l'optimisme, l'honnêteté et le pragmatisme sont à l'honneur et ce sont des années où souvent nous avons des avancées sociales ou sociétales car l'intérêt général prévoit sur la est privilégié par rapport à la réussite personnelle. Même si les célébrations ne vont pas durer 12 jours comme en Asie, ici au pays rien n'est négligé et surtout pas le culte des ancêtres. Une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est faire une offrande à nos ancêtres qui sont décédés, qui veillent sur nous, de façon à ce qu'ils bénissent en fait l'événement. À partir de demain, vous pourrez donc dire bonne année, ou si vous préférez. Je dirais en chinois, Kyung Hi Fa Choi. Et pour mes compatriotes de langue vietnamienne, Đứng trước thềm năm mới, xin kính chúc toàn thể quý ông bà, quý anh chị và các bạn một năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Voilà, je n'ose pas répéter, en tout cas, bonne année. Sport 1-6, deuxième lourde défaite pour l'équipe de l'AS Lossie face au Salomon Warrior. Aujourd'hui, s'ils savent déjà qu'ils sont éliminés, les garçons de Victor WGM devront tout de même affronter Héracor du Vanuatu ce dimanche à midi. Un match diffusé sur notre antenne ce dimanche à 17h, 22h et 7h lundi matin. Espérons que l'équipe de Magenta qui jouera la semaine prochaine fera mieux.
Voilà, donc c'est la fin de cette édition. Il n'y aura pas de journal demain, mais nous vous tiendrons informés de l'avancée de JITA sur notre page Facebook. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve lundi.